Le rideau s'est ouvert pour accueillir l'eau-députée qu'on a plaisir à accueillir puisque c'est un nouvel étalon donc dans le parc français. L'eau-députée fait ses débuts d'étalon tout simplement en 2017 au haras de Saint-Fray à 1600 euros la saillie. Et pourquoi on a vu la course référence dans le Jockey Club de Lohmann puisque l'eau-députée est le frère des classiques Lohmann, donc vainqueur du prix du Jockey Club, vainqueur du prix Jean Prat et également un autre groupe 1. C'est le frère de l'autre classique Lattice qui, elle, avait gagné le prix de Diane en 2004, si je ne m'abuse. L'eau-députée est né en 2013, il est né en Irlande, élevé par Lady Ori, toisin 1,65 m. Ogaro, c'est un fils de Pourmoi. Il est d'ailleurs issu de la première production de Pourmoi, lui-même un fils de Monjeu et d'Archan. Pourmoi avait gagné, son père avait gagné le derby d'Epsom. C'est d'ailleurs le dernier vainqueur français du derby d'Epsom. Il l'avait gagné en 2011. Et la mère, Laramie, est une fille de Gulch. D'ailleurs, le croisement Monjeu-Gulch a déjà donné un vainqueur de groupe 1 à Cheltenham. Et oui, c'était en mars 2016. Et c'était Ivanovitch Gorbatchev qui avait gagné le Triumph Hurdle, un groupe 1 donc pour les 4 ans. L'eau-députée est né donc en 2013. Et il est inédit, il faut le signaler. Il est inédit. Il était entraîné par Nicolas Clément. Et il fait donc ses débuts d'étalon à 1600 euros la saillie chez Catherine Savard du Haras de Saint-Fray à la Chapelle Saint-Fray.